J'arrive. Bonjour Kiki. Ah, ça c'est pour les Français ça. Kiki, c'est pas tout le monde qui est français. Kiki, do you love me? Ah, mais je sens. J'espère que tu as lu tout mon message. Vous savez que personne ne va venir changer votre vie, non? Vous savez ça, là. Si vous ne bougez pas, personne ne va bouger pour vous. Ça, c'est la beauté de la vie. Personne ne va bouger pour toi. Je sais que vous avez passé la majeure partie de votre temps avant à ne rien faire parce que vous attendiez quelqu'un. Et là, vous avez compris que quelqu'un ne vient pas. La reine sultane, je vais super bien. I'm good. Le roi Fouillette, bonjour. Nobody is coming. Personne ne vient te sauver, comment? Donc, je vais vous donner des idées comme d'habitude. Mais cette fois-ci, vous allez remarquer que j'ai commencé à faire des choses un peu plus concrètes. Donc, j'ai des annonces pour vous. La première annonce, je cherche des vendeuses. Ok, Nina, que je fasse encore les locks, c'est. T'as d'abord les cheveux poussent. Bon. Bon, si vous êtes beaucoup d'entre vous, il y en a même que vous vendez le plantain prune, c'est super. Je ne simplifie pas ce que vous faites. Maintenant, je veux que vous commenciez à comprendre que ce sont vos idées, ce n'est pas le diplôme qui te permet d'arriver loin. C'est ce que tu connais et ce que tu mets en pratique qui te permet d'arriver loin. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques points importants. Donc, si tu es
tu n'as pas de boulot pour l'instant. Et monsieur Fouet, je ne parle pas de jeunes aujourd'hui, tu as compris? Le jeune, c'était hier. Donc, ne viens pas me déranger. Vous n'êtes pas discipliné dans vos choses. Maintenant, vous venez pour vouloir me déranger. Je ne veux pas. Oh, you are. Oh, you are. Voilà. Donc, première annonce que j'ai donnée, les vendeuses. Si tu vends le plantain prune en journée et tu veux te faire un peu d'argent à côté, même si c'est en vendant seulement le sel, tu peux vendre le plantain prune à côté, tu as déposé le sel que tu vends, le sel spirituel. Ok? Tu peux avoir ta boutique où tu vends déjà tes produits. Prends certains de mes produits, tu mets dans ta boutique, tu vends. Tu vends, ça te donne un peu d'argent. Voilà. Je préférerais que ça donne beaucoup d'argent. Ok. Deuxième annonce, on jeûne tous les mercredis. Donc à partir de lundi de la semaine prochaine, il y aura la prière tous les jours, à 12h et à 18h. Donc j'aurai des gens qui seront sur la page en train de faire la prière. Ce ne sera plus toujours moi dans toutes les prières. Vous avez remarqué hier pendant le jeûne que ce n'est pas moi qui ai fait la prière de midi. Donc j'ai des personnes qui vont déjà soutenir pour ça. Parce que certains d'entre vous avez besoin de prière, certains vous avez besoin d'argent. Ce qui fait que si on fait seulement les prières, ça ne va pas vous aider. Parce que voilà, j'ai déjà fini de prier, maintenant je fais comment pour avancer. Donc la méditation qu'on va faire demain, 21h. J'ai déjà annoncé, la méditation c'est 15 000 le mois, 25 euros. Si tu veux donc développer ton imagination, enlever les blocages spirituels, mentaux et avoir te concentrer pour manifester, c'est l'idéal pour toi. Il y en a parmi vous, vous ne savez pas ce que c'est que la méditation. Donc vous allez découvrir demain. Donc j'ai créé un groupe gratuit dans lequel les gens sont en train d'entrer. Vous allez voir le lien est quelque part sur la page. J'ai mis ma photo ce matin sur la page. Et Nina, on n'est pas sur Zoom. Si je n'arrive pas à te connecter à Zoom, ce n'est pas mon problème. Tu as compris? Ok? Tu vas sur YouTube, tu écris comment se connecter sur Zoom, tu cherches. Ça, c'est quelque chose que vous savez que je suis contre la paresse. Tu es pauvre. Tu es bête. Paresseux. Ce n'est pas bon. Tu es en train de me regarder sur Facebook. Donc, tu peux prendre ton téléphone, tu passes sur YouTube et tu tapes comment utiliser Zoom. Si tu ne peux pas faire, tu laisses. Tu as compris? Voilà. Vous allez apprendre aussi à chercher les choses. Parce que si tu ne peux pas chercher, tu t'attends. C'est le genre de personne que tu vas acheter un programme chez moi. Tu t'attends à ce que je marche, je viens mettre dans ta bouche. Et je ne fais pas ça. Je suis contre la paresse. Je n'aime pas la paresse. Je n'aime pas la paresse. Donc, la méditation, ça se passera demain à 21h. Donc, il y a le lien quelque part à la rentrée dans le groupe. Bonsoir, la reine Jaël. Si tu as Yaoundé, il y a une représentante à Yaoundé. Son numéro est sur ce direct. Ok? Tu la contactes. Son numéro commence par 655. Tu la contactes. Et puis, elle va bien te recevoir. Elle s'appelle la reine Julie. Donc, pour ceux qui demandent pour les produits spirituels, vous allez vendre les produits spirituels. OK? Il y a aussi d'autres produits que vous allez vendre, mais d'abord, en majorité, les produits spirituels. C'est-à-dire le sel. Le sel, par exemple. Ce sont des choses que toi, tu utilises déjà. Hein? En numéro 3, troisième annonce, avant que je commence. Il y a ceux ou celles qui veulent créer une activité. Le tout, ce n'est pas d'avoir l'argent. Le tout, c'est d'avoir le mindset qui va te permettre de multiplier l'argent que tu as. Donc, j'ai lancé un autre groupe payant aussi. Je vous demanderai, les sommes que je vous demanderai dans les groupes, ce sera le truc de 20 ou 30 euros par mois. Mais je voudrais que ce soit un endroit où tu viens et tu as les recettes qui vont t'aider de temps en temps. Qu'avant, je faisais des coachings privés. Coaching privé, c'est très lourd. C'est très lourd sur la personne qui fait et sur moi-même qui fait, sur le client et sur moi. Donc, ça, j'en fais quelques-uns. C'est très cher, très lourd, mais aussi les petites. Donc, je préfère donner à beaucoup plus de personnes. Comme ça vous permet d'élever vos business. Voilà. Donc, dans ce groupe, je vais vous donner les astuces pour pouvoir prospérer votre business.
Donc, on aura aussi une formation qui va être donnée par la dame qui a créé les agendas SIG, The Black Queen Planner. Donc, c'est une femme camerounaise qui vit à Douala. Et elle m'a donné ça depuis déjà. Elle est venue avec ça un jour, vous payez, elle payait sa dîme. Et là, à un moment, je dis, mais attends, c'est toi qui as fait ça, c'est très beau. Mais c'est beau ça. Bonjour, petit oiseau. Moi et les oiseaux, hein. Je suis dans mon second appartement. Et là, vous allez voir là où il s'est placé cette fois-ci. Regardez. Le voilà là-bas. Vous allez voir, non? Vous devez prêter attention aux détails comme ça là. Donc, il y aura une dame qui va vous aider à planifier vos semaines et vos journées. Je n'ai pas encore de représentante au Sénégal. Si tu voudrais être ma représentante au Sénégal, tu me fais signe. Je veux des gens sérieux. Beaucoup d'entre vous vous disent qu'on n'a pas l'argent, mais dès que l'opportunité se présente, vous fuyez. Le business, ça demande de la persévérance. Donc, vous aurez des ateliers de planification de vos semaines. Je pense qu'une semaine qu'on n'a pas planifiée, ou encore un argent qu'on n'a pas planifié d'avoir, c'est très peu probable qu'on l'ait. Ben, parce qu'on n'a pas planifié. Donc, elle a de beaux agendas. Pour commander les agendas, j'ai mis le lien dans la vidéo. Il y a de belles photos aussi. Et je veux aussi avoir un comptable avec lequel je vais travailler. Je voudrais bien, parce que vous êtes tous des entrepreneurs, vous aurez des ateliers pour vos finances. Et dans les formations qu'il va faire avec vous, je voudrais que ça parte dans la base, genre les déclarations, quel type d'entreprise créer, à quel niveau, à quel moment prendre plus d'employés, comment gérer même les stocks. Ce sont des choses dont vous avez besoin. Je ne parle pas des oiseaux aujourd'hui, j'ai Aline, tu as compris? Je parle de business. Voilà. Donc, vous devez commencer à vous équiper. Donc, je vais vous donner des outils aujourd'hui qui vont vous aider à avancer. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas lequel on va mettre, beaucoup d'entre vous, vous ne dépensez pas sur votre mental. Tu as un magasin depuis 7 ans. Ton revenu est à, donc on va dire ton revenu aussi dans les mêmes montants. Tu n'as pas pensé à créer d'autres sources de revenus. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu rames. Il y en a parmi vous, vous avez déjà fait tout le travail spirituel, vous êtes débarrassé de beaucoup de malédictions générationnelles, mais vous n'avez pas lancé de business. Le Seigneur bénit vos entreprises. Donc, si depuis que tu fais tous les kits de fondation que tu as fait, kits de déblocage, kits ceci, le sel, le donne-moi tout le pipi, tu n'as pas encore lancé un, deux, trois business, tu es en retard. Donc, la première chose que vous devez faire, j'ai parlé des ateliers qui vont venir. Il y aura l'atelier de planification de son temps qu'on fera avec ses agendas. Ce ne sera pas moi qui va faire les ateliers. Il y aura l'atelier de comptabilité. Beaucoup d'entre vous, vous pensez à créer une entreprise, mais vous avez peur. Vous ne savez pas que c'est la comptabilité est facile. Et même si tu dois prendre un comptable, mon comptable ne me coûte pas beaucoup par mois, vraiment. C'est un ami qui me l'a passé. Il travaille déjà dans une grande boîte. Bon, il n'a pas son cabinet à lui, donc du coup, il me donne beaucoup de conseils. Maintenant, celui qui va faire cette formation, il est en train de m'introduire dans des systèmes. Vous avez pas, il y en a parmi vous, vous êtes en Europe, vous avez des magasins au Cameroun. Vous pouvez mettre des codes de barres sur vos produits, des codes de barres. Vous faites des gestions de stock. Ce qui fait que tu te mets en France, tu connais. Combien d'articles ont été vendus dans le magasin de Libreville? Tu connais combien on a vendu à Abidjan?
Tu connais combien on a vendu à Yaoundé? Et votre façon conventionnelle de faire le business avant que vous ne commenciez avec moi là maintenant, c'était que vous étiez seulement concentré sur une ville, un magasin, un pays. Donc, je veux maintenant vous coacher. Je vais vous amener des formateurs, des personnes qui vont vous tenir la main. Il y a le groupe de prière. Ce n'est pas moi qui vais faire la prière. Il y aura des gens qui vont prier avec vous. Il y aura des gens qui vont planifier votre temps avec vous. Et si vous m'écoutez, vous avez des compétences qui peuvent aider les entrepreneurs. Je vous en prie, contactez-moi. Et surtout, ayez la détermination. Parce que souvent, vous venez, vous croyez qu'il va courir après vous. C'est un partenariat. Souvent, je vois, je dis, mais tu as de bons services. Pourquoi les gens ne viennent pas? Parce qu'elle me rend compte que tu t'assois à la maison, tu attends que les gens viennent à toi. Les gens ne viendront pas d'eux-mêmes. Donc voici, je vais vous donner quatre choses que vous devez faire. La première chose que tu dois faire pour pouvoir avancer. Cafu, c'est ton projet, mais tu ne l'as pas mis sur pied, non? N'est-ce pas? Je suis fatiguée de vous, j'allais, je voulais, j'avais l'intention de... Première chose, vous devez investir sur vous. Écoutez bien. Malheureusement, vous allez partir donner l'argent à B. Vous allez acheter la voiture de B. Vous allez payer la pension des enfants. Vous allez faire ceci. Quelle est la dernière fois où tu as pris, toi, tu as pris une formation? À part les petites vidéos que tu regardes sur YouTube. Quelle est la dernière fois où tu as payé un agent pour dire que ça là, je mets ça sur moi? Donc vous devez investir sur vous. Quand vous investissez sur vous, vous devez comprendre que ce que je suis en train de mettre dans moi, ça doit produire. Ce que je mets sur moi, ça doit produire. Donc tu deviens ton fonds de commerce. Pas avec que tu investis sur toi, après tu peux encore pleurer des rébés. Deuxième chose, tu dois te décider à quitter le boulot dans lequel tu es finalement. Est-ce que vous avez travaillé pour quelqu'un, cela paraisse? Je ne refuse pas le fait qu'il y en a qui sont appelés pour travailler avec d'autres personnes parce que la vision de l'endroit, ça correspond à ce que toi, tu es appelé à faire. Ça correspond avec tes valeurs. Et là-bas, tu te sens très utile. C'est-à-dire que tu apportes de la valeur et on te rémunère correctement. Tu aides un empire à grandir. C'est différent de l'autre qui est tout là. Ah, de toutes les façons, moi, je nettoie seulement ça, non. Je nettoie seulement ça, non. Donc, vous devez, bonjour Lisa, vous devez absolument quitter le 9h-17h. Vos dons spirituels, vous pouvez en vivre. Il y en a, vous êtes autodidacte. En numéro 3, vous devez chercher de quoi les gens ont besoin autour de vous. Peut-être les gens ont besoin de quelqu'un. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il me disait, mais attends, est-ce que tu sais que les gens ont besoin de quelqu'un à qui parler? Il faudrait d'ailleurs que je mette ça sur pied. Qu'est-ce que tu sais que les gens ont besoin de... Donc, ils veulent une ligne où ils appellent seulement. Ils racontent leurs problèmes. Ils racontent leurs problèmes. Ils racontent leurs problèmes. Après, je dis, ok. Parfois, c'est bon de cœur. Tu écoutes, après, tu dis, oui, c'est vrai, tu as raison, oui, oui. Ok, il faut que je mette ce système-là sur pied. Un système d'écoute. Tu appelles, tu payes. Attendez, je vais faire l'autre là. J'ai besoin des réceptionnistes. Bon, c'est une idée de business. Hein. Vous devez voir de quoi les gens ont besoin autour de vous.
Il y a des choses que vous savez très bien faire. Par exemple, le conseil. Vous savez qu'autour de vous, vous avez des couples que vous conseillez. J'ai aidé 3 couples à se mettre ensemble depuis le mois de juin. J'ai aidé telle personne à faire ceci. Mon Milisa, qui là-bas, toi, mon qui là-bas, ne t'amuse pas, moi. Vous aimez seulement jouer. Toi là, mon Milisa là. Tu vas dire qu'engage-moi comme ça. Tu vas jamais écrire une box. Tu vas jamais. Vous, en fait, hein, vous attendez que l'argent vienne vous trouver. C'est ça votre problème. Vous regardez mes directs, vous ne savez pas quels sont les gens. Il y a les gens qui s'engagent dans ce que je dis là. J'ai une de mes représentantes. Je ne demande pas comme employée. Elle me contacte, elle demande le lavage. Elle dit que voilà, je suis dans telle ville avec mon fiancé. On vit ensemble, on a un bébé. Et ok. Elle paye le lavage elle-même. Elle vient d'avoir un master. Elle me dit, voilà, j'ai trouvé un boulot, mais on me demandait de quitter la ville où je suis, de voyager pour aller dans l'autre ville du Cameroun, que c'est loin. Il a fait venir à Douala. Elle a fait 2 ou 3 nuits, je pense, à l'hôtel. Elle est venue, elle a vu comment on fonctionne à Douala, comment ça fonctionne. Elle est rentrée dans sa ville. Les chiffres d'affaires que la fille a fait par semaine dans sa ville, elle dit, je voulais un boulot que je sais que je peux gérer mon enfant à la maison sans quitter le mari. Non, elle gère ça de la maison. Et elle peut maintenant payer aussi les factures à la maison. Vous allez voir une autre personne. De taxi, seulement que tu payes, c'est 20 000 par mois. On vient te donner un salaire de 100 000, tu te reçois avec 80 000. Tu manges combien là-bas? Quand tu vas écrire, écris que je suis là pour écouter et conseiller. Oui. Écris dans le message précisé. 693-50-22-66. 00-237. 693-50-22-66. Parce que la compétence que tu as, il y a quelqu'un là-dedans qui a besoin de ça. Donc vous devez trouver de quoi les gens ont besoin autour de vous. Peut-être que tu vends la banane mue et les gens demandent trop l'ananas. Ce ne serait pas judicieux. Tu vends la banane, chaque jour on vient te demander. Tu connais, on ne peut acheter l'ananas ici? Si tu fais 5 mois, 2 semaines, 8, 10, et tu ne vends pas l'ananas, c'est que tu es bête. Tu es bête. Achète l'ananas, tu déposes. Après, on va venir commencer à prendre l'ananas. En mangeant l'ananas, la personne va dire, mais tu sais où je peux acheter le pain? 2 semaines plus tard, tu prends le pain, tu déposes. Apportez de la valeur. Donc, cherchez de quoi les gens ont besoin autour de vous. Numéro 3. Premier, c'est investir. Vous devez investir sur vous. Numéro 2, vous devez quitter le boulot pour faire de 9 à 17 heures. Numéro 3, vous devez voir de quoi on a besoin autour de vous. Maintenant, numéro 4. Vous devez transformer vos compétences en service. Ou bien transformer le besoin que vous avez vu en service. Ou bien vous cherchez les compétences que vous n'avez même pas. Vous allez apprendre et vous venez transformer ça en service. Donc la 4e étape, c'est que tu dois offrir au moins un service aux gens. Et il y a des services saisonniers. Vous avez suivi. En passant, est-ce que vous... J'ai un colis en Angleterre que je vais faire venir au Cameroun. Et c'est pas le genre de colis que DHL prend. En fait, c'est des documents très importants. Donc, je ne pense pas que ça peut passer par DHL. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui quitte de l'Angleterre dans ces jours-ci là pour venir au Cameroun, faites-moi signe. Tu ne peux pas rester que tu n'as pas d'activité. Tu n'as pas un petit business à côté. Je ne parle pas de ton salaire du boulot. Hein. Tu dois avoir une petite activité à côté que tu sais que je rentre le soir. Ça me donne l'argent.
ou bien tous les jours, j'ai quand même, je ne sais pas quels sont. Maintenant, en numéro 5, tu dois revoir la fondation de ton argent que tu as actuellement. Peut-être que tu as un système qui te donne l'argent déjà, donc tu sais que d'office, je gagne l'argent comme ça. Tu as mis le système là en place depuis 5 ans. Maintenant, considère que tout ton système tombe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais? Donc, quand tu vas reconsidérer la base de ton business, le but, c'est d'élargir, que tu étendes, que tu ne distribues pas seulement à Douala. Tu ne dois pas avoir le magasin seulement à Douala. Tu dois avoir Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Limbé, Kribi. Vous comprenez? Tu ne dois pas avoir seulement dans un seul endroit. Merci pour mes cœurs. Merci pour les partages. C'est important pour toi parce que quand tu fais le magasin où tu es tout le temps physiquement là pour vendre, la fatigue de toute la journée, si ce n'est que toi qui es la tête pensante et la tête vendeuse de ton business, ce n'est pas bon parce que ça va te ruiner. Tu dois faire de telle façon que ce n'est pas toi seul qui rapporte de l'argent dans ton business. D'autres personnes. Ouais, un peu. Il n'y a pas de on y arrivera. Ça, c'est pour les pauvres. Ça ne fait plus ça. Quand je dis on y arrivera, là, c'est sûr que tu n'as même pas deux. Tu n'as même pas deux sources de revenus. C'est des choses que je dois faire maintenant. Ce n'est pas pour nier. Mais voilà, je savais. J'ai parlé comme si je savais. On rembourse d'abord la dette. Je connais vos paroles, non? Je vous connais. Je vous connais. Je peux vous lire. Quand tu te focalises pour payer une dette, tu ne vas jamais sortir la dette là. Parce qu'aussitôt que tu sors, tu es dans la mentalité des dettes. Tu n'es pas dans la mentalité de l'argent. Je crois que je vous ai fait plusieurs directs ici où je vous ai dit. Quand tu as tes finances mensuelles, tu ne dois pas les mettre tout seulement pour payer la dette. Une partie doit aller dans tes économies. Ça ne vous est pas déjà arrivé. Quelqu'un te doit de l'argent. Tu sais qu'il a été payé. Tu le vois à la réunion en train de payer, de cotiser la réunion. C'est des sceptiques. Il cotise la réunion. Il achète la nourriture de sa maison. Il remplit son frigo. Il paie la pension des enfants. Il vient, il te donne le 1/20 de ce qu'il te doit. Pourquoi tu ne m'as pas remboursé ma dette une fois? Il est sage, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, demain, on a une méditation à 21h. Et puis, ceux qui veulent créer le business aussi. Donc, je vous donnerai les intervalles. Il y aura la formation pour planifier le temps. Vous aurez la planification avec cet agenda-ci là. Ce sera 2 fois par mois. Il y aura aussi les ateliers avec le comptable. Ça aussi, ce sera 2 fois par mois. Donc, les ateliers maintenant pour ceux qui veulent lancer leur business.
Donc, comment créer et grandir un business? Ça, ce sera. Il y a le lien du groupe en haut de la vidéo ici là. On veut entrer dans le groupe aussi. Ou les agendas, si vous voulez commander les agendas, il y a le lien du WhatsApp de la dame. Bonjour la reine Béatrice. Loujob. Tu es de Batoufan. Comment est-ce que donc, j'aimerais, parce qu'il y a des étapes pour créer un business. Hein. Il y a l'étape, par exemple, où tu vas étudier les demandes ou les besoins des gens. Et dans le, rien ne t'empêche de créer un business. Hein. Ce n'est même pas l'argent. Parce que pour créer un business, je peux ne pas avoir de marchandises. Les gens qui font le dropshipping, ils font comment? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de local. Non, rien. Il cherche quelqu'un qui vend, qui a déjà la marchandise. Il dit à la personne, ok, si je vends, j'ai combien? Il filme, il prend, il vient, il met ici, il vend. Il vend la photo. Hein. Tu payes en donnant l'argent, il prend ton argent, il paye l'achète chez l'autre, il vient, il te donne. Vous allez rester à la maison, vous dites que vous n'avez pas l'argent. Tu peux te balader à quoi? Tu vas trouver les magasins là-bas. Tu trouves les magasins là-bas. Voilà un des gens qui rentrent dans le groupe de business là. Donc, ce groupe de business boss, mon but dans ce groupe, ce sera de vous permettre de développer toute personne qui entre là-dedans. Tu vas payer pour contribuer. Ce sera peut-être 10 000 le mois. Mais tu dois créer un business. Si tu n'as pas un business que tu crées, tu te retires du groupe. Tu ne veux pas. Vous devez lancer une activité. Même si tu fais le foléré, tu vas donner au budget le matin, il vend. Même si tu pars dans la boutique du Libanais ou du Chinois, tu filmes ces articles, tu mets en ligne. Quelqu'un achète, il dit que viens me livrer à tel endroit. Il te fait le dépôt Orange Money. Tu peux acheter chez le Libanais, tu mets sur la moto pas donnée à la personne. C'est vous qui tombez avant que votre argent dort. Donc vous devez apprendre à créer de l'argent. Avec tout ce que vous avez à votre disposition. Donc, mon but dans ce groupe, c'est de vous montrer que vous ne manquez pas l'argent. On n'a pas besoin d'argent pour créer un business. Tu as besoin de focus, vision, détermination, courage. Et peut-être un téléphone. Tu as besoin d'un téléphone pour voir ce qu'il y avait dit tous les matins. Voilà. Donc, le groupe de visualisation est là. Choisissez pour vous entrer dedans. Tout ça est là-bas dedans. Donc, vous avez besoin de revoyez votre système qui vous donne l'argent. C'est vrai que quand tu fais ce travail, quand tu fais ce travail avec les gens que je coach, par exemple, ils ont un peu peur parce qu'ils se disent que ah, je pensais que j'avais atteint mon sommet d'argent. Tant que tu ne revois pas, tu ne peux pas augmenter les tentacules de ton business. Peut-être que tu avais seulement deux pieds dans le business, deux magasins, deux canaux de distribution. Maintenant, tu revois la fondation. Comment est-ce que je peux faire pour que ça ne dépende plus des deux personnes-ci? Tu décentralises maintenant, pap, tu étends, ça fait cinq canaux. Si chacun des cinq te rapporte la même somme que les deux donnés avant, ça veut dire que tu as augmenté tes revenus maintenant de combien? 3/5 de tes revenus ont augmenté. Les gens que vous voyez sont milliardaires ici dehors là, ce n'est pas avec un magasin. Hein. Les Foku, les Kiforu. Les UBA, allez voir le nombre de branches qu'ils ont dans n'importe combien de pays. Vous devez absolument mettre les tentacules. Pensez toujours au mot tentacule. Tentacule, ça veut dire plusieurs sources, plusieurs. Ça, c'est mon but. Même si tu fais le coquille le matin, tu envoies les enfants dans 5 marchés vendre. Tu fais 4 mamies de maïs le matin. Tu envoies 20 personnes vendre ça dans la ville de Douala. Tu es déjà devenu boss. Vous pensez toujours qu'il faut que ce soit dans un bureau avec une cravate, avec ceci là. Non. Le business ne se connaît pas. Le business, c'est que tu localises le besoin. Si c'est l'eau glacée, les gens ont besoin d'eau glacée. Tu achètes la machine qui scelle l'eau. Tu n'envoies pas puiser l'eau gratuitement là-bas aux brasseries. On vient, on met dans les sachets. Vous scellez. Chaque sachet, c'est 50. Tu les envoies au marché Mopivante. Parce que tu prends ces gens-là qui sont au quartier, ils n'ont rien à faire. Ils sont là, ils marchent comme ça.
par jour où tu vends l'eau, si tu vends un sachet à 50, je te donne 15 francs ou 20 francs. Moi, je prends le reste. 30 francs, c'est pour moi, 20 francs, c'est pour toi. Compte tenu du fait que c'est moi qui te fournis tout, tu manges seulement. À la fin de la journée, si l'enfant a ses 5000 francs, 5000 francs qui va représenter quel pourcentage? Comptez avec moi. Hein. 5000 francs. Et qu'il était, il était censé prendre le 2/5 de ton business. Essaye un peu de voir. Si 5000 sur le 2/5, ça veut dire quoi? Essayons de voir en pourcentage. Je veux que vous puissiez comprendre. J'essaie un peu de réduire. Il faut que je mette quelque chose d'un peu plus facile à comprendre pour moi-même. 2/5, ça veut dire que c'est dans un pourcentage, c'est combien? 20 divisé par 5, ça fait combien? Mettez-moi les réponses, non? C'est comment avez-vous? Ça fait 4, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, 40%, c'est ça. Ça veut dire que si la personne a 5000, toi tu rentres à la maison avec 7500. 60%. Supposons donc que tu envoies dans la ville de Douala 10 enfants par jour. Si, par, supposons par jour, l'enfant a un bénéfice de 5000, toi, tu te donnes 7500 sur l'eau qu'il vend. L'eau blingue, bien glacée là. Hein. Parce que c'est toi qui as acheté la glacière, c'est toi qui as acheté l'eau même. Donc, l'enfant marche, demain, il vend. Donc, ça te fait 7500 fois 10 enfants. Ça fait 70 000 que tu as par jour. Avec l'eau. L'eau glacée. Et votre problème, c'est que vous cherchez le gros agent. Vous oubliez que l'agent, c'est dans les, le petit agent. Le petit agent. Le petit agent qu'on accumule. C'est 1 plus 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 1 plus